Regardez la quantité de poids. Putain, mais tu m'étonnes qu'il descendait, les gars. Je sais même pas combien il y a de kilos là. Là, c'est l'enfant. Ok, il a plus la tête. Bon, il respire, ça, je sens. Non, pas d'oxygène. De l'eau. PLS, tu le mets sur le côté. Dans cette plongée, franchement, il n'y a rien qui va. Moi, je suis choqué. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci est une vidéo au format analyse de plongée. C'est un format où je regarde et commente des vidéos que vous m'avez suggérées pour essayer de comprendre quels ont été les problèmes et comment est-ce qu'on aurait pu les éviter. Et cette vidéo, je ne l'ai jamais vue, mais déjà, rien qu'au titre Diving Disaster, bah ça laisse présager du lourd. Avant d'aller plus loin et de vous montrer ça, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez, grâce à Tipeee, vous pouvez me faire un petit don, ça me permettra de dédier plus de temps au montage vidéo et donc de vous faire plus de vidéos. Et si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun problème, je vous invite cependant à vous abonner à la chaîne, ça peut m'aider, à me conseiller du contenu si vous en avez, et puis bien à partager mon travail ou à commenter si vous avez des informations supplémentaires à ajouter à mon analyse. Parce que mon analyse n'est pas exhaustive, hein, et je compte sur vous pour la compléter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Trois divers tentent de faire leur advanced deep. Donc advanced deep, c'est 30 mètres. Et l'autre, c'est 40 mètres, c'est pour dive spécialiste. Donc ouais, advanced deep, c'est 30 mètres. Ok. Donc, ils sont descendus. En tout cas, là, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle une entrée en flottabilité négative. C'est quand tu rentres dans l'eau, tu tombes comme une pierre. Ouais, ça se fait. Mais faut avoir un niveau correct quand même. Diving Disaster, filmé dans le GoPro HD Hero. Bon, alors on est sur une descente. Ah non, autant pour moi. J'ai cru que c'était une descente négative. Non, en fait, personne n'a gonflé son gilet stabilisateur. Ok, bon, déjà, normalement, tu rentres dans l'eau, ton gilet est censé être gonflé et après tu le dégonfles pour descendre. Là, ils m'ont l'air un peu lourd. Ok. Bon. C'est bourrin, tout ça, c'est pas très sympa. L'entrée en kick, ça se fait, mais le faites pas à côté des gens, parce que vous allez leur foutre des coups de pâme dans la gueule. Soyez sympa. Écartez-vous si vous voulez faire votre entrée en force. Et en théorie, avec vos pompes, vous êtes censé pouvoir descendre en contrôle. Et Nikki, c'est la fille qui garde tout le monde calme. Très bien. Là, on a des petites palmes de Crécy. C'est des chouettes palmes, ça. Ça descend vite, hein. Ça descend vite. Comment je sais que ça descend vite? Bah, par rapport à la vitesse où les bulles bougent. Descendre trop vite, c'est un coup à se faire mal aux oreilles. Là, il y a quelqu'un qui est descendu très très vite. Eardrum, Shigon. Oula. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Là, il y a quelqu'un qui s'est fait mal. Ouais, ok, très bien. Vertigo, c'est vertige. Donc, quand tu descends la tête en bas, et que tu égalises et que tu as un problème d'égalisation avec la tête en bas, et bien tu peux te retrouver à faire des gros vertiges. Là, elle, si c'est la ligne de descente, ça veut dire qu'elle est en train de descendre, cette personne-là, la tête en bas. Et le souci, c'est que si tu as mal à l'oreille et que tu as la tête en bas, et que tu veux t'arrêter pour bien égaliser ou remonter un peu, ça veut dire que tu dois faire un 180 et recommencer à palmer. C'est pas ouf. C'est pour ça qu'on essaye de descendre à la rigueur à l'horizontale, et quand on a des problèmes aux oreilles ou qu'on a du mal à égaliser, on descend plus la tête en haut et les pieds en bas, parce que on peut au pire compenser avec nos palmes et c'est plus simple. Là, elle descend tête la première. C'est cool hein, de descendre tête la première, moi je le fais, mais je le fais pas pour mon advance quand j'ai que 15 plongées. Alors là, quelqu'un qui bouge beaucoup quand même, beaucoup de mouvements de bras. Les mouvements de bras comme ça, c'est comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, c'est plongeur pas en confort. Il bouge beaucoup avec ses bras. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il aurait pu faire plutôt que d'essayer de compenser avec ses bras. Hein. Je vous laisse réfléchir peut-être 15-30 secondes, mais plutôt que de faire ça, qu'est-ce que tu peux faire? Ok, I had no idea what was up or down. Ouais, donc. Là, il a peut-être un. Il a peut-être un.
une oreille qui est endommagée, et ce qui peut se passer quand tu te blesses aux oreilles, c'est que t'as les petits osselets, t'as tout un bazar qui te permet de contrôler ton équilibre, et quand tu t'éclates une oreille, eh ben, t'as des vertiges et t'arrives plus à te positionner dans l'espace. Là, c'est pas ouf. Là, ce qu'il fallait faire, c'est attraper son binôme et demander à remonter. Ils sont sur une épave. Donc potentiellement, il peut aller encore plus profond. Parce qu'une épave, là, s'ils sont sur le pont, il peut tomber encore de 10 mètres. Ok, ça communique. Ok, moi, déjà, j'ai vu pas mal de problèmes. Il a regardé tout le monde. Il a pas communiqué. Il a pas dit problème. Rappelez-vous, ça veut dire problème. Regardez les gens dans les yeux. Faites-leur des signes. Vous vous souvenez de la vidéo où Fab avait son ordinateur de pété? Je vais vous la mettre là, elle va apparaître. Si vous avez un problème, faites comme Fab, attirez l'attention de vos binômes et des gens autour de vous pour qu'on puisse ou vous aider ou adapter la plongée à ce problème. S'il est complètement défoncé avec des vertiges et qu'il n'a plus la capacité de se positionner dans l'espace, il faut le remonter. Alors là, il communique pas. Là, il communique pas. Lui, il est en train de nager avec ses bras, donc c'est pas non plus. C'est pas top. I signal to Wasson there is a problem. We go up a little. Ok. Ça, c'est plutôt bien, mais si t'es déjà explosé, c'est pas top. Quand vous avez mal à l'oreille, le mieux, bah, c'est déjà d'éviter d'avoir mal et donc de pas descendre trop vite, donc de bien égaliser à chaque mètre. Et dès que vous avez un inconfort, vous ne forcez pas, vous vous arrêtez et vous montez un petit peu. Bon, lui, s'il a commencé à avoir mal, admettons à 10 mètres, et qu'il est passé en force jusqu'à 20 mètres, et qu'à 20 mètres, il a des vertiges, même si tu remontes d'un mètre, ça va pas l'aider. Et là, il y a clairement un problème de flottabilité. Ils sont tous en train de bouger avec leurs bras. Ouais, super. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Pourquoi est-ce qu'on nage pas avec les bras? Parce que vous pouvez taper le visage de vos collègues, et donc leur arracher leur détendeur. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc si vous ne voulez pas vous servir de vos bras, ne vous surlestez pas et contrôlez votre flottabilité avec votre stab, votre gilet stabilisateur, rajoutez du gaz, c'est fait pour ça. Super. Là ils sont en train de redescendre je pense, ils ne contrôlent pas du tout leur flottal et ils redescendent. Alors ça c'est l'encadrant je suppose parce que il a un parachute, donc il y a l'encadrant qui vient l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, c'est l'instructeur. Et c'est ce que je craignais au début, c'est que vu qu'ils sont sur une épave, potentiellement il peut y en avoir qui se cassent la gueule aux alentours. Alors qu'est-ce que vous allez faire encore comme bêtise? Là, monsieur l'encadrant, fallait le mettre à la ligne et lui demander de remonter. Hein. Le bruit qu'on entend, vous inquiétez pas, ça arrive sur certains détendeurs, c'est une des valves qui peut couiner. Bon, ça veut pas dire que c'est pété. C'est bizarre. Ah ouais, putain, l'enfer. Donc ouais, sur l'épave, eux ils étaient sur le pont et les autres ils ont dû se laisser tomber du côté de l'épave et donc ils sont descendus probablement 15 mètres ou 10 mètres plus bas. C'est pas ouf. Là en plus le problème c'est que s'ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont plus le même plan de plongée que l'instructeur. Donc c'est un peu la merde. Hein. Va falloir vraiment faire une plongée super conservatrice pour pas finir avec une petite maladie de décompression. Ouais, on remonte. Toi, tu remontes. Très bien. Ah, regardez, voilà. Ok. Eh bien, ça va être comme sur la dernière vidéo, avec notre plongeuse qui panique. Là, on a eu une accumulation de problèmes qui amène à la panique. Quelle a été l'accumulation de problèmes? Il y a eu les bodies qui ont été, les binômes qui ont été tous séparés, quelqu'un qui a eu un souci. Un des plongeurs qui a été séparé de l'encadrant, donc qui était flippé. Là, l'encadrant ne voit pas qu'il y a une panique en cours. Et en plus, ce plongeur-là a dû se... pas forcément tomber, mais vu qu'il ne contrôlait pas sa flottabilité, il n'a pas réussi à se stabiliser au niveau du pont de l'épave, et pff, il est tombé à la quille au fond.
et il fait énormément d'efforts avec ses bras et on voit la consommation de gaz là, qu'il utilise, c'est terrible. Gros mouvement de bras, gros mouvement de bras, voilà, il s'accroche. Là, il va embarquer son... Ok. Ah, ça craint. Qu'est-ce que vous attendez? Ouais, voilà, super. Oh, putain, j'en ai marre de voir ça. Bon. Putain, ils doivent être au moins à 30 mètres. Il n'y a rien qui va. Sachez que ça n'arrive pas souvent. C'est des choses que vous allez voir sur ma chaîne régulièrement parce que moi je vais parler des incidents, mais c'est très très rare. Donc là, il a enlevé son détendeur. Là, c'est son détendeur. C'est sa première source. Il l'a enlevé. Donc là, il a plus de détendeur en bouche. Il est ici, son détendeur. Il y a une grosse bulle. Oh. Où est la secondaire? Ok. On lui a passé une source alternative. Donc là, on a un problème parce que la personne qui donne le gaz n'est pas en train de le contrôler. Parce que si on regarde, déjà, il a pas passé sa secondaire au-dessus de son bras. Donc il a moins d'aisance pour le tenir. Il n'est pas en train de contrôler le plongeur. Alors là, je pense que l'encadrant va lui passer sa secondaire à lui. Mais là, déjà, cette position, elle est mauvaise. Son bras droit devrait tenir le bras droit de ce plongeur. Et la durite, elle va être au-dessus du bras. On fait ce qu'on peut. Ok, donc ils viennent de switcher. Là, ils passent sur la secondaire de l'encadrant. Enfin, j'espère, en tout cas. Mais c'est pas ce qui se passe. Bah, ce qui se passe, c'est que y a ton gamin qui est en train de faire une panique, que toi, t'es défoncé à l'azote, et que là, tout le monde doit remonter, vous êtes surlesté, et tu dois mettre du gaz dans ta stable parce que tu coules. On voit que le palmage est complètement... Ça sert à rien. Là, la personne ne va pas remonter. Bon. Ok, vous commencez votre montée, l'un avec l'instructeur, l'autre avec Nikki. Là, la priorité, c'est de les sortir de l'eau, c'est fini, là. Donc là, ce qu'il explique, c'est qu'à un moment, Vassine, leur enfant, a fait un break sous la surface, donc je suppose qu'il a réussi à popper à la surface en remontant, et l'instructeur a essayé de l'attraper par les palmes. Ça devait être un joyeux bordel, le gamin devait toujours être en panique, donc au niveau de la remontée, ce qu'il faut essayer, là, je vais pas trop critiquer l'instructeur à ce niveau-là, parce que c'est toujours compliqué une remontée en urgence, c'est d'essayer de calmer la personne, pour tout le moment où il respire, où il a le détendeur en bouche. Là, il n'est plus en danger direct, c'est pas comme la première vidéo qu'on avait vue. Là, l'idée, ça va être de le remonter lentement et de le calmer. Bon, bah, apparemment, il n'a pas réussi, mais ça, bon, il y a panique. Bon. Il est où le gamin? J'espère qu'il va bien. Il doit être dans un état. Un truc comme ça, dans le doute, hein, s'il y a quelqu'un à 30 mètres qui a popé, attendez pas les symptômes, collez-le sous oxygène tout de suite, c'est bon, ça va. Il est où le boy? Là, c'est l'enfant. Ok, il a plus la tête. Ah, il a passé un mauvais moment. Bon, il respire, c'est déjà ça. J'espère que c'est pas de la bière, ça, sans déconner. Regardez la quantité de poids. Putain, mais tu m'étonnes qu'il descendait, les gars. Je sais même pas combien il y a de kilos, là. Oxygène, peut-être? Non, pas d'oxygène. De l'eau. PLS, tu le mets sur le côté. Oxygène. Ok. Ah oui, vas-y, explique des trucs, ouais. Alors, bon, j'aime pas du tout la description, ce qui a marqué, j'ai fait cette vidéo, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe pour une plongée normale et relaxe. Dans cette plongée, franchement, il n'y a rien qui va. Moi, je suis choqué. Dans l'ordre, ils sont descendus comme des brutes. La descente était désorganisée.
ils sont tous surlestés. En début de plongée, je pensais qu'ils n'avaient pas gonflé leur stab. Si ça se trouve, ils avaient tous leur stab de gonflé, mais ils avaient tellement de poids qu'ils flottaient à peine avec la tête hors de l'eau. Pas sûr qu'ils aient fait un contrôle de flottabilité pré-plongée. Surtout quand tu es en train de donner un cours sur un advanced. Tu es en train de donner un cours sur un advanced avec des gens qui sont pas à l'aise. Le but, c'est qu'ils soient à l'aise. Et moi, dans un advanced, j'essaie d'enlever du poids. Donc là, déjà, ils sont tous surlestés. Ils n'avaient pas d'ordinateur, les gamins. Quand vous donnez un cours sur advanced, prêtez des ordinateurs à vos étudiants. Si vous êtes instructeur, prêtez des ordinateurs à vos étudiants. Surtout qu'en plus, potentiellement, là, c'est le côté mercantile qui parle, mais peut-être qu'ils les achèteront après. Parce que avoir un ordinateur quand tu commences à faire des plongées à 30 mètres, surtout en épave, là c'est une épave, c'est pas déconnant du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a les pas d'autre encore? Bah je vous ai dit, il y a la descente, la tête la première, c'est pas bon. On peut voir qu'il commence déjà à utiliser ses bras. Et le moment où il y a eu panique, c'est le moment où il a été éloigné du guide. Une fois sur site, ils partent tous dans une direction différente, c'est le bordel. Ce qu'il aurait fallu, ben... Encore une fois, je critique une vidéo, donc je sais pas si j'aurais fait mieux, mais... Moi, en tout cas, quand je fais une descente, avant de lâcher la ligne, on est tous OK. Et ceux qui sont pas OK, ils restent à côté de la ligne, ou ils restent en tout cas dans le même coin. Ils vont pas se balader. Parce que là, le danger, c'était de passer le bord du bateau et pouf, de tomber de 10 mètres. C'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, quand il y a eu la panique, bah, toujours, hein, on voit là, il est surlesté, il utilise ses bras pour bouger, c'est pas bon. Je sais pas combien il y a de kilos et il a encore du gaz dans sa stab et il coule. Putain, en fait, ne vous surlestez pas, putain, ne vous surlestez pas, ne vous surlestez pas. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Ils sont où tes plongeurs? Quand vous devez intervenir pour aider quelqu'un, pour aider un plongeur, moi le truc que je fais c'est que d'abord je m'assure que les autres sont en sécurité, donc je demande aux autres par exemple d'attraper une ligne et je pointe une ligne et attraper la ligne. Et moi je m'occupe de mon plongeur. Là il est en train de regarder. Le gars qui filme, pendant que les autres ils sont en train de se casser la gueule dans le fond. Ça va pas du tout. On dirait un sketch. Ça aurait pu être dramatique. Et là, dans une situation de panique, alors, si vous êtes témoin d'une panique, là en l'occurrence, le plongeur qui filme, je vois très clairement le guide qui lui demande de remonter. Donc quand votre guide vous demande de remonter, oui, il y a votre gamin en bas, vous avez peur, mais là, admettons, si le père avait eu un autre souci pendant que l'instructeur était en train d'approvisionner en air le gamin, bah, il y aurait eu encore plus de problèmes. Donc oui, je sais que ça fait bizarre de se dire « un problème, j'ai envie d'aider ». Non, n'aidez pas si vous n'apportez pas d'aide. Ouais, gros balourd. Et là, il y a panique, grosse panique. Et encore une fois, il fallait regarder tout le monde, il fallait demander si tout le monde était OK. Est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas. Il y a très peu de communication, cette plongée. Pour moi, il n'y a pas assez de communication. Ils font tous leur truc dans leur coin, et ça va pas du tout. Il faut garder un bon groupe et des gens qui communiquent. Il faut un bon briefing, il faut une bonne descente, il faut communiquer. Ensuite, pour la remontée, bah, la remontée, on la voit pas très bien. Heureusement, l'encadrant s'occupe de la remontée du gamin. Les deux parents, ils auraient dû remonter à la ligne. Tout ça, on n'a pas les infos. Et après, arriver sur le bateau... Alors, déjà, sur le bateau... Il est où le gamin? Pourquoi le gamin il est dans l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont en combinaison? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont remis dans l'eau? Je comprends pas ce que je vois là. Est-ce qu'il a sauté son équipement? Donc je suppose qu'arrivé sur le bateau, le gamin était plus en état, donc ils ont sauté l'équipement, ils l'ont passé à l'assistant. Mais là, à ce moment-là, il faut les mettre sous oxygène, quoi. Là, faut rentrer, c'est fini. Là, la journée plongée, elle est finie. Si vous voulez vous marrer, si vous avez le temps, dites-moi combien de... Je sais pas ce que ça représente, ça, j'espère que ça... Je pense pas que ça représente un kilo, hein. Mais dites-moi combien de poids vous pensez qu'ils avaient, les gars. Il y a plus de 10 kilos, là. Attends, le môme, il a pas besoin de 12 kilos pour descendre, hein. D'habitude, j'aime bien faire des conseils en tant que plongeur de ce que vous auriez dû faire mieux, des conseils pour les instructeurs de ce que vous auriez dû faire mieux. Bah là, en gros, faites l'inverse. Alors, regardez cette vidéo et faites l'inverse. Le seul truc à la rigueur qui a été correctement frais, je suppose, ça a été la remontée sur la secondaire de l'encadrant. Encore que, mais il n'a pas été foutu de contrôler son élève et donc l'élève est remonté à la surface. Donc soyez très 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 prudent quand vous passez vos advances. Là pour le coup, c'est limite anecdotique à ce niveau-là, mais moi je trouve que c'est pas mal à partir du moment où tu commences à taquiner les 20-30 mètres d'avoir un ordinateur. Pour ta sécurité, aujourd'hui ça coûte 250 €, c'est pas non plus la mer à boire, et ça vous apportera vraiment un plus niveau sécurité. Pour le reste,
trop de surlestage. Il y a plein de problèmes, mais là, c'est le surlestage le principal. Surlestage et communication. Voilà. Si vous avez des vidéos de ce genre-là à me recommander, ben, je suis preneur, hein, même si là, j'aime pas voir ça. Mais je suis preneur parce que j'espère qu'ensemble, on va pouvoir en tirer des conclusions. Dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis sur ce que l'on vient de voir, sur comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux, comment est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation. Mais rappelez-vous, le but, c'est pas d'insulter les plongeurs ou d'engueuler l'encadrant. C'est plus d'essayer de voir ce que l'on aurait pu faire de mieux et d'être bienveillant. Sans déconner, faut être bienveillant. Sinon, après, les gens qui font des bêtises, ils hésitent à en parler et ils vont répéter leurs bêtises. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises, je vous l'ai déjà montré. Vous, je sais que ça vous est déjà arrivé de faire des bêtises. Là, on a vu pas mal de jolies bêtises. Et ben, faut qu'on puisse mettre les mots dessus pour apprendre et pour pas les répéter. Voilà. Si vous voulez soutenir mon travail, eh bien, rappelez-vous que j'ai un Tipeee où vous pouvez faire un petit don. Ça me permettra de dédier plus de temps au montage vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre la cloche. Pourquoi ? Parce que ça aide au référencement. Et le référencement, c'est bien. Voilà. On se revoit dans le bleu. Allez, ciao.